Salut tout le monde! Oh, je suis deux fois sur la, la caméra, alors je vais enlever ça. Bim, voilà, c'est bon. Impeccable! Ça va, Matt? Bah, ça va, super. T'as passé, une... passé une bonne semaine? Ah, ça, c'est une bonne expression. Très, très bonne expression. Euh, avoir du pain sur la planche. Faudrait que je trouve un moyen de noter tous ces trucs-là. Euh, les expressions. Attends, tu sais quoi, j'ai une idée. Peut-être que tu vas pas le voir de ton côté parce que tu es sur Zoom. Mais j'ai une idée. Je vais le faire comme ça. Bim bam. Boum, taoma. Parce que c'est ma police, ça. Ah, on n'entend pas Matt Attendez. Euh, non, moi je t'entends Matt, donc ça doit venir de mon côté. Euh, tu... euh, continue de parler, je vais essayer de faire un truc. Tu peux dire des conneries, oui. <laughs> ah merde, pourquoi ils l'entendent pas Attends. Et là, est-ce que vous l'entendez, tout le monde uh -oh. tout Alors, moi, je t'entends. Mais ça devait être parce que je t'avais mis sur une track différente, en fait. J'ai dû consolider les tracks. Euh, oh non, mais c'est rien, c'est trois fois rien, ça. Je dois, je dois avoir trouvé lieu, la bonne idée. Cool. Est-ce que là, vous l'entendez test, test un deux, Salut test un deux. Monde. Alors, faites voir. Parlez, Matt. Ouais. Et, ouais. là... Et là, tu l'entends, Curtis ou pas Est-ce que tu entends, Matt le Curtis. Ouais, <laughs> c'est vrai que tu peux pas voir les Il commentaires, toi. Oui, mais très, ah, mais très bas, d'accord. Très, très bas. Attends, est-ce que ça vient de moi euh... Est-ce que ça vient de moi Ok, c'est bon, vous l'entendez, d'accord. D'accord, d'accord. Et moi, je vais voir, peut-être parce que j'avais fait. Tu sais ce que j'ai fait J'ai mis un limiteur, alors je vais l'enlever. Ah merde. C'est rien. Foula. Ah non, mais j'ai pas eu de bonnes idées là en ce moment. Voilà, c'est mieux. N'importe quoi. Non, mais de toute façon, c'était obligé. Le premier stream, j'étais tellement, <laughs> euh, tellement à bloc avec les, euh, les paramètres, les, les petites choses à faire. Euh, il fallait absolument qu'il y ait un problème. Donc là, c'est bon, mon ouais, ce deuxième stream, c'est bon, je suis baptisé avec les problèmes. Voilà. Super, <laughs> on y va. C'est parti. Impeccable Alors. Ouais. Comme d'habitude, on va faire euh, si les personnes qui sont dans le chat, vous avez des questions à nous poser. <laughs> euh, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous poser des questions quand vous voulez et on va ré réagir à tout ça au fur et à mesure. Alors au fur et à mesure, je vais mettre ça dans le sur le sur l'écran. C'est une bonne expression. Voilà, au fur et à mesure, comme ça. Oh, oh merde. <laughs> à mesure. Ouh là, c'est trop gros. Alors, au fur et à mesure, ça veut dire en anglais bit by bit. En gros, au fur et à mesure. Voilà. Bit by bit. C'est ouais. pratique, ça. Oui, 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 c'est très pratique. Ok. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais ce week-end, toi, Matt Tu as, as des projets pour ce week-end Je travaille. Tu, tu travailles J'ai plein de choses à faire. Oui, euh, j'ai beaucoup de projets à côté et il faut vraiment bosser tout le temps. Euh, ça m'énerve, en, en fait, mais. Euh... Je peux me faire pas mal d'argent, donc ça vaut, euh, ça vaut la peine, je crois. Mais de temps en temps, je, je pense que c'est trop. Euh, mmh. Il faut me débarrasser de tout ça pour que je puisse profiter un peu de, de, du week-end, quoi. Ouais, logique, logique. Ouais. Moi, j'ai la même tendance. Moi, je me, je me charge trop. Et euh, si les, les semaines où je n'ai pas beaucoup de travail, comme cette semaine, là, ouais. j'étais entre deux semaines, en fait. Euh, euh, tu, tu sais, je donne des cours de groupe avec, euh, avec ouais. une entreprise ici, à New York. Et, euh, et en fait, j'avais des cours qui avaient fini. J'ai une semaine où je n'ai pas de cours et je mmh. commence la semaine prochaine. Et putain, je déteste. Je me tourne les pouces toute la journée, je ne fais rien, je ne travaille pas. Euh... <laughs> à chaque fois, je dis ouais, je vais filmer plein de vidéos, j'ai plein de projets et je ne fais rien. Ouais, ouais. Non, ça se comprend. Je, je fais la <laughs> même chose. En fait, et plus je vieillis, plus j'ai du mal à dire non à des personnes. Je ne peux pas dire non. Et c'est fou parce que euh, j'ai beaucoup de trop j'ai trop de choses à faire maintenant. C'est triste. <laughs> ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors on a on a deux commentaires qui sont qui sont drôles. <laughs> Vincent, j'aime bien ta nouvelle maison. Merci. Alors, <laughs> ouais, pour sympa. ceux pour ceux qui reconnaissent, euh, j'ai j'ai une bonne inspiration, je pense. Et euh, alors une question. Les Américains ne font que bosser, n'est-ce pas Ça c'est un bon mot, ça bosser. Oui. Est-ce mmh. que vous connaissez ce mot bosser Alors. Euh, merde, c'est comme ouais. ça. Je ne fais que bosser, c'est vrai. <laughs> bosser, oui. Alors, bosser, ça veut dire travailler en argot. Ça veut dire travailler. Voilà. Exactement ça. Hop. Il faut que j'apprenne à manipuler tout ça, là, parce que j'ai pas. <laughs> Woo, C'est un peu difficile avec toutes les fenêtres que j'ai. Malheur. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, bosser, ça veut dire travailler. Ouais. Hop. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est une très bonne question. Pourquoi les Américains travaillent tellement C'est vrai, comparé à la France. Euh, parce qu'en France, on, on a, euh, on a cette, cette attitude un peu plus euh, relaxe par rapport au travail. Tu travailles ouais. 35 heures et si tu travailles plus de 35 heures, tu as un problème. Oh là là. <laughs> c'est pas pareil ici, non Ouais, non, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas la même chose du tout. Ici, on vit pour travailler. Ouais, c'est d'ailleurs un, un stéréotype qu'il y avait dans euh, un, un stéréotype qu'il y a dans dans la série euh, Emily in Paris sur mmh, Netflix. Mmh. Tu l'as regardé ou pas Bien sûr. Ouais, ouais. Et t'as vu le, le personnage qui dit c'est ça exactement ce que t'as dit. Les Américains ils vivent pour travailler et les Français ils travaillent pour vivre. Moi je suis d'accord en fait. Ouais ouais. Ouais c'est ça. Ouais, <laughs> et, triste, mais bon. Il y avait beaucoup de stéréotypes mais celui-là c'est c'est vrai malheureusement. Ouais. En, en général. En, en parlant de ça, c'est drôle parce que quand j'étais euh, tout jeune marié avec euh, avec ma femme, on habitait dans le sud de la France et j'ai des des amis à moi euh, quand ils savent quand ils ont su que j'avais deux travail, ils me disaient mais mais ça va, tu as des problèmes financiers, euh, on peut t'aider. <laughs> voilà. euh. <laughs> mais Ici, c'est complètement normal d'avoir ouais. beaucoup, euh, beaucoup de travail, quoi. Des, des projets à côté, un day job, on peut dire en ouais. anglais. C'est tout à fait normal. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est une mentalité qui a. Euh... C'est une mentalité qui, qui était très bizarre pour. Euh... Euh... C'est une mentalité très bizarre à laquelle s'ajuster. Ouais, ouais, bien sûr, j'imagine. <laughs> mais bon, ça va ouais. à part ça. Tu t'en sors de, déjà. Ouais. Oh oui je m'en sors plutôt pas mal d'ailleurs je en suis plutôt bien, content tant mieux, tant mieux. <laughs> non ouais c'est clair euh, mais moi tu vois par exemple avant je travaillais quand je travaillais en France euh, je donnais aussi des cours d'anglais ah, d'accord. et c'était super mal payé les cours d'anglais ouais franchement euh, euh, pour moi à l'époque j'étais bien payé tu vois en euros enfin euh, je me considérais bien payé donc c'est pour ça que je le fais mais rien à voir comparé à ici quoi et un ouais, avoir. C'est différent ici. Ouais, ouais. Donc, ouais, je suis très content parce que ça me permet de faire des trucs que je fais aujourd'hui comme YouTube, tout ça, mais avant, c'était impossible. Oh, C'est dur, ça. Ouais, ouais. Il faut être payé pour euh, faire des choses comme ça. Ouais. <laughs> C'est clair. C'est clair. <laughs> ah là là. Et à part ça, qu'est-ce que tu fais en ce moment euh, pour t'amuser ou... Euh... Ouais, pour m'amuser, euh, je fais plein de choses. En fait, euh, ce matin, je, je me suis levé tôt, je suis allé courir dans le parc. C'était super. Euh... Ça me, ça me donne de l'énergie, en fait. Euh, ouais. C'est super de, de faire ça. Et à part ça, je fais, je fais des photographes, euh, comme je, je parlais. Des photos. Je fais des photos. <laughs> <laughs> J'arrive jamais à comprendre ça. Ouais, je, je, sais. je suis photographe, je fais des photos. Oui. Voilà. J'adore faire ça. Euh, ça m'amuse énormément, ça me plaît énormément. Et bah, à part ça, euh, je bois. Voilà. Ah, voilà bah oui. Il <laughs> euh, faudrait que je me prenne un truc moi aussi, mais bon, là, c'est un peu tard. <laughs> tu sais quoi Je vais le faire. Alors, je vais me prendre oh un là truc. Là là. Allez, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que je devais dire Entretien la galerie là. pour moi. Oh là 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 là. Voyons, voyons. Je suis nouveau en français, donc c'est difficile. Mais bon. En fait, je ne peux pas regarder le stream, donc je ne sais pas combien de personnes ils sont là. Hop, tu arrives. Voilà. Non, là, tu m'as donné envie, là, donc c'est pour ça. Ah, super. Allez, hop et moi, euh, j'avais pas de vin sous la main, donc qu'est-ce que je bois aujourd'hui Moi, je bois. C'est quoi ça ah, ah putain, c'est sur fond vert en plus. <rire> ouais, <laughs> c'est super ça <laughs> C'est même pas fait exprès. Wow. C'est santé <tousse> tout le monde, voilà. Et c'est une, une entreprise qui s'appelle Fountain. Et euh, ils font des, euh, des eaux gazeuses avec, euh, avec de, des, des saveurs particulières. Par exemple, là, ici, c'est citron vert, lime, oh, citron vert. bon ça. Et c'est un de mes clients, en fait. C'est un de mes clients de leçons particulières qui fait ça. Oh. Et il est super. Quelle chance. Ouais. Voilà. Bon, bah, santé, du coup. <laughs> santé. Allez, super. Et les autres, si vous buvez quelque chose, qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui Je suis curieux. Il faut boire. C'est bon pour <laughs> la santé. <laughs> ouais, ouais, ouais. Ouais, Fountain, en fait, ça, ça c'est... Euh, ils ont deux types de trucs. Ils ont des trucs à la à la chanvre, donc la chanvre, en euh, je vais mettre ça dans le, sur le truc, la chanvre avec un V, ça c'est hemp, la chanvre. Oh là, c'est voilà. bizarre ça. Ouais, c'est. Euh... C'est bon ou pas Ça dépend. <laughs> ça dépend. Okay, voilà. <laughs> je vois ce que tu veux dire. Ça dépend. Okay. <laughs> Et Curtis, <laughs> qui dit, Curtis qui me dit, qui me dit, moi j'ai toujours mon café. Bonne idée. Moi bon, ça marche aussi. Je suis un accro au, au café en fait. Ah ouais. putain, moi aussi. Ah mais, ah mais j'ai dû me calmer moi, hein. j'ai dû me calmer. Quand, quand je suis arrivé oh. ici et que je travaillais à l'extérieur, je buvais 5 6 7 8 cafés par jour. Oh là là. Non, non mais trop en fait, bah ouais, parce que parce que je travaillais euh, tu sais, je travaillais à l'extérieur donc il fallait que je euh, que je vois mes mes clients dans des cafés ou dans des bars oh. ou ces trucs comme voilà. ça. Parce que j'avais pas j'avais pas les leçons en ligne comme ça, c'était tout en personne. Personne, ouais, voilà. Et à chaque fois, qu'est-ce que c'est le moins cher pour, euh, pour euh, s'asseoir quelque chose un, un café C'est ouais, ça. Ouais. Je, je m'étais explosé le ventre à cause de café. <laughs> Genre, j'en je, avais tellement bu, j'ai dû arrêter pendant un mois parce que c'était euh, pas possible. quoi. Ouais, ça se comprend, c'est une drogue. C'est ça. <laughs> Waouh Ok. Ouais. J'espère que ça va mieux maintenant. Hein. <laughs> Curtis qui me dit Mais le café aux USA est vraiment dégueulasse. Oui. Bon, <laughs> ça Ça dépend. dépend. Ça dépend. <laughs> ça dépend. <laughs> okay. Attention. Starbucks, je suis d'accord. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais, euh, mais si tu sais où trouver à New York, t'as du bon café. Blue Bottle, j'adore. Ah, Blue Bottle, c'est pas mal. C'est trop bon. C'est super cher, d'ailleurs. Oui. Super cher. Genre 4-5 dollars pour un pour-over, c'est n'importe quoi, mais ah, non, ça, ça. Vaut, ça vaut le prix, en fait. <laughs> ouais. Euh, nous, on a... nous c'est drôle parce que Matt et, Matt et moi, on habite dans le même quartier. On a, euh... on a un petit café qui s'appelle Bunny Coffee. Euh... Tu sais, te tu souviens de quelle origine c'est Je crois que c'est nigérien, non Et oh, kenyan, le... kenyan, je crois. Je pense que c'est de l'Éthiopie. Ah non, tu as raison, c'est éthiopien. Voilà, c'est ça. C'est euh, ouais. éthiopien. Et oui, et donc, euh, comme c'est éthiopien, euh, t'as du café vraiment sympa, c'est très fort, mais bon, faut, faut aimer, quoi. J'adore. Yes, yes. C'est super. Ouais. ouais. Puis moi, sinon... Euh... Moi, je suis, je suis un bâtard qui n'aime pas trop dépenser, euh, dépenser de l'argent. Euh... Moi aussi. <laughs> moi aussi. Donc, moi, un, un café, un café euh, en... déjà moulu de chez Trader Joe's, ça me va. <laughs> ça me va aussi. Ouais. Mais de temps en temps, il faut, euh, faut en profiter. Quoi. Ouais, c'est ça. <laughs> Et euh, ouais, donc, euh, tu donc, aimes faire de la photo, tu aimes la boire photo. du café, tu aimes boire du vin. Oh. Du vin. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as un vin préféré Oh là là. Bon alors déjà, on va commencer. Vin rouge, vin blanc ou rosé bah ça dépend, hein. C'est difficile oui. comme question. Maintenant, bah j'adore le vin orange en fait. Ça, c'est pas mal ça. Je ne sais même pas comment décrire en français, mais c'est différent, c'est fort. C'est un goût assez fort, mais c'est super bon ça. C'est juste, ouais. c'est juste. Ouais. C'est très, très fort, mais c'est très bon. Ouais. J'en ai, ai pas beaucoup bu des, des vins oranges pour l'instant. Hein. J'en ai pas beaucoup eu. Ah, une question. Vin américain ou vin français Oh là là. Vin français. Alors, moi, au risque de, me, on. Faire... Moi, au risque de me faire incendier, ça dépend. Si c'est des, vins... oh là 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 là. Si des vins anciens monde, si j'aime bien les vins français. Ouais. Mais si c'est des vins nouveau monde, j'aime bien les vins américains. Genre, par exemple, j'ai un vin que j'adore. Je crois que je te l'ai montré, Matt, d'ailleurs. Euh, j'ai un vin que j'adore qui s'appelle Beringer Bros. Euh, qui est du Cabernet Sauvignon euh, Ooh, je crois qu'il est en Californie bon. Et en fait c'est un vin qui c'est est un vin qui est âgé dans des tonneaux à Bourbon. Oui, ça me dit quelque chose voilà 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 Alors pour tout le monde un tonneau un tonneau c'est je vais, je vais changer le mot voilà un tonneau a barrel comme ça un tonneau voilà a barrel. Et ça ça doit avoir un goût assez particulier non ouais franchement ouais c'est un goût particulier c'est plus fort mais c'est pas plus fort en fait c'est difficile à décrire mais c'est plus c'est plus rond je crois que ça je crois que ça décrit bien tu vois c'est c'est très c'est pas très sucré pas trop sucré mais ça va bien avec beaucoup de choses et c'est un peu plus de Putain, en anglais, t'as le truc parfait. T'as une onomatopée. As like more oomph, you know? Oomph. Voilà, c'est ça en français, non? Ouais, ça. ça, ça oomph. Ouais, c'est oomph. <laughs> c'est ça. Je <laughs> sais pas comment on dit ça. Non, moi, moi non plus. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que les vins californiens sont respectés en France? Ça, c'est une... une bonne question. Je oui, personnellement. Jérémy, oui. Tu sais, la, la majorité des euh, la majorité des, des personnes en France, ils connaissent rien par rapport au vin. Euh, c'est euh, ouais, c'est ça. Moi, moi c'est pareil. Hein. Moi, je suis une ouais, ouais. moi, moi, je suis français, mais je suis une quiche en vin. Je suis une quiche. Alors. Je suis une quiche en vin. Oui. Alors pour les autres, une quiche comme ça, une quiche. Donc vous connaissez le mot une quiche. Ouais, that's a quiche. Mais être une quiche. C'est être nul à quelque chose. Avec ça, à ça. dit en français Ouais, je suis une quiche. C'est marrant, ça. Non, je crois qu'on l'avait dit, d'ailleurs, la semaine dernière. <laughs> ouais, ouais, je m'en souviens. Malheur. En fait, t'as expliqué la version un peu plus euh, vulgaire aussi, donc euh, Je on va suis. la répéter. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. Euh, mais c'est drôle, on tourne en rond. <laughs> D'accord. <laughs> non, mais les, les vins californiens, je pense que oui, ils sont plutôt, ils sont plutôt acceptés, tu vois, mais... C'est un peu comme ici, t'as des vins américains, t'as des vins euh, euh, du Chili, t'as des vins français, etc. J'irai évidemment en France, les vins français sont prédominants, mais euh, Exactement euh, mais ouais, de euh, euh, toute façon les gens ne connaissent rien, donc euh, à chaque ouais. fois ils regardent le prix de la bouteille et puis ils regardent si c'est un domaine et puis voilà, voilà, <laughs> comme ici. Mais j'adore le Beaujolais. Ouais, c'est sympa le Beaujolais. Trop bon, ouais, c'est trop bon. C'est très très bon. Ah oh, putain. Bon, ouais, ben, je crois ouais. que je vais aller m'acheter une bouteille après, là, parce que... Bien sûr. Voilà. Ah, on, on se rejoint à PJ Wine juste à côté, c'est ça Super. <laughs> voilà. Excellent. Et euh, sinon, en, en général, est-ce que t'es plutôt vin ou est-ce que t'es plutôt bière Plutôt bière, je dirais. Ah, moi aussi. De bière. Ouais, ouais. Moi aussi, moi aussi. Ok. J'adore la bière. Lager, Et ça fait grossir. Ouais, c'est pour ça que j'essaie, j'essaie pas faire souvent. <laughs> ouais, moi aussi, moi aussi. Ouf. Alors, t'es plutôt IPA, Lager ou euh, Stout? IPA, sans question. Sans question. J'aime pas trop les Stout. Je sais que c'est euh, controversial, controversé, mais euh, j'aime oh, ouais. pas trop les Stout. Ouais. ouais. Je comprends, je comprends. Alors, en, en France, on appelle ça plutôt bière brune, bière blonde, par exemple. D'accord, la bière blonde, tous ouais. les jours. Ouais, ouais. Ah, t'es plus bien bon eh, Moi, ouais, j'aime ouais. bien les bières brunes, mais euh, ouais, mais c'est vrai que si je dois, lourd. ouais, je sais, je sais. Mais non, mais après, après, c'est parce que bah, le, le même type qui m'a euh, le même type qui fait ces euh, qui fait ces trucs là, il a des super bières, euh, il a des super bières et il fait ça ici à Brooklyn. Oh, wow. euh, et et c'est excellent. Et, mais lui, il fait il fait des des stouts et des lagers qui sont géniaux. Euh, je te l'enverrai, je te l'enverrai après. Merci. <laughs> okay. Ah, bah tiens, j'ai euh, un autre commentaire. La belle Strasbourgeoise me manque. Mm, c'est une bonne bière, ça aussi. C'est quoi ça C'est. Oh, c'est difficile. À... Ouais, c'est une bière d'Alsace, c'est ça. Ah, d'accord. C'est okay. une bière d'Alsace. Ça a l'air sympa Ouais. Ah, ça, les bières d'Alsace, les bières belges aussi. Oh, les belges, ils ont ouais, ouais. des bières. C'est. Euh, ouais, ça va euh, sans dire. <laughs> avec leurs frites et leurs chocolats en plus. Euh... Ah, c'est ça. Moi, moi, je vais à Bruxelles, c'est frites, bière. Ah, j'ai trop envie d'aller à Bruxelles. C'est oh. joli, c'est joli en oh, ouais, plus ouais. Bruxelles. Très très beau. C'est euh, une ville qui a un peu, qui a beaucoup de beaucoup d'influence un peu allemande. D'accord. Donc ouais. as, en fait t'as l'impression que c'est un mix entre euh, un mix entre l'Allemagne et Versailles. Mais imagine oh. sur toute une ville. Au, au niveau architectural ouais, au, archi au niveau architectural ouais c'est ça as... le centre de Bruxelles c'est très euh, c'est très beau c'est très opulent euh, beaucoup de choses qui sont avec de l'or ou des choses comme ça du type Versailles mais, mais d'un autre sympa. côté tu sens euh, tu sens l'architecture la, 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 un peu allemande ou l'architecture euh, néerlandaise D'accord, ouais ouais, ça se comprend Voilà, voilà, voilà. mais c'est mais c'est super, j'adore J'ai oh, cool. passé six mois à Bruxelles Et ça me manque beaucoup Ah tu faisais quoi euh, Bah j'étais euh, mormon <laughs> D'accord, ok bon, Alors, pour les, pour les gens qui ne savent pas J'étais mormon avant euh, Et j'étais euh, J'étais un euh, Comment dire J'étais missionnaire mormon Maintenant je ne suis plus mormon du tout euh, Mais euh, bon voilà, comme ça c'est fait, vous savez, euh, j'en parlerai peut-être un jour, mais euh, si vous avez des questions sur ça aussi, euh, ça me, <laughs> c'est très bizarre. On a, on, a, on a un petit peu de, de religion en France, mais pas beaucoup, et moi je ne suis pas du tout religieux maintenant. Moi non plus, moi non plus, je suis juif mais je ne suis pas pratiquant, donc euh, ouais. Voilà. voilà, tu comprends alors. Ouais, je suis... bien sûr, <laughs> bien mais, sûr. Mais pour répondre à ta question, oui, j'ai habité à Bruxelles pendant que je faisais... Euh, mon service missionnaire m'en avec la plaque et tout Waouh wow. <laughs> Et toi, t'avais quel âge à l'époque J'avais... Euh, euh, J'avais 20 ans. Ok, donc t'as pu boire et c'était tout. Alors, je pouvais boire, mais j'ai pas pu ah, le faire. Ah merde, merde, non Mais j'ai pas pu le faire <laughs> non, Je voulais je, <laughs> je voulais, mais j'ai pas pu <laughs> Qu'est-ce que je dis Ok. Ouais, ouais, ça se comprend. Non, ouais, mais là, euh, la prochaine fois que je retourne à Bruxelles, euh, je me mets une murge, mon gars <laughs> alors, ça, vous savez ce que ça veut dire les autres C'est une expression. Se mettre, alors, se mettre une murge, une murge comme ça. Se mettre une murge, c'est euh, comment je peux, je peux expliquer ça Se mettre une murge, putain. Uh, to get plastered, to get shitfaced, c'est ça. Yeah, voilà. I would say to get shitfaced. Yeah. Ouais, c'est ça. C'est yeah. ça. C'est ça. Exactement. Tu vas te bourrer la gueule. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Oui, chef. Oui, chef. Et, euh, et sinon, si tu devais choisir une ville, une ville en France, euh, euh, à part ça, ou peut-être en Europe, ou euh, autre part. Mmh. Je sais qu'on a. Vivre. Ouais, pour vivre. Pour vivre. tiens, on va faire ça. Ah, C'est difficile comme question. Parce qu'il y a plein de villes. Mais euh, mmh. en fait, la dernière fois, où je parlais de Nice. J'adore Nice, c'est super, les gens sont chaleureux, le climat c'est super. Oh ouais, euh, franchement, ouais. La bouffe, d'ailleurs. Ouais, <laughs> je dirais Nice, en fait. J'adore Paris, il y a plein de choses à voir, plein de musées, plein de, oui, évidemment. de, de, de trucs à voir, mais euh, les gens, les gens, les Parisiens, je ne sais pas. Les New Yorkais aussi, bah, j'habite tu sais, à New York, je, ah, je comprends. Hein. Il, faut que tu, il faut absolument que je te donne deux trucs qui sont excellents. Si tu aimes, si aimes te moquer des Parisiens, alors sur Facebook, tu as un groupe qui s'appelle. Euh, euh, je vais te le mettre dans le chat parce que c'est un peu compliqué. Ça s'appelle nerchi de Mem Extramuros. Euh, alors, que ça veut dire? de Mem Extramuros. En fait, c'est compliqué parce que nerchi, c'est le verlan du mot chineur ». Et un, chi que ça veut dire. un chineur, c'est quelqu'un qui achète des choses dans des, euh, dans des brocantes ou dans des marchés. D'accord. Voilà. Tu sais, le genre de personnes qui vont, euh, qui vont essayer de, de chercher des pièces d'antiques ou des choses comme ça pour ouais. les revendre après. Donc, un chineur, c'est que quelqu'un qui va partout pour chercher des pièces d'antiques. Donc, Nurshi, nur c'est euh, pour, pour se partager des mêmes en fait. D'accord. Okay. Et, et donc là, extramuros, ça veut dire à l'extérieur de Paris. Donc, euh, ça se moque des Parisiens et ça, j'adore. D'accord. Euh, sinon, après ça, euh, après ça, sur Reddit, j'ai un truc que j'adore. C'est R/Rance, euh, R euh, comme ça. Rance. Euh, et oh en fait, c'est en fait, très drôle parce qu'ils euh, qu ils, ils prennent la langue française, mais ils s'appellent les Rancés au lieu des Français. Et c'est à mourir de rire parce que ils traduisent beaucoup de de même en anglais directement en français même si la traduction elle est horrible uh -oh. et c'est excellent je les adore d'accord ouais, c'est très okay. c'est très bête j'adore ça moi <laughs> j'adore ça d'accord tu aimes <laughs> le mot, stupid bête euh... oui oui j'adore comme comme tu peux le voir quand on joue à Warzone ensemble <laughs> ouais bien, bien sûr <rire> grave ah <laughs> oh, putain alors, et à part ça, est-ce que t'as est une série télé préférée Française ou, ou étrangère aussi hein, Ça peut être américain. Oui, j'adore le 10%. Mmh. C'est trop marrant. Je l'ai adoré. Je kiffe. Call my agent. Ouais. énorme. Je kiffe Call my agent. C'est excellent. Ouais. Euh, tiens, j'ai fini euh, récemment une autre série que j'ai fini. J'ai regardé les deux saisons de Family Business sur Netflix. Il s'agit de quoi c'est euh, c'est une famille juive qui a une euh, qui a une boucherie. Ça me dit quelque chose mais ouais, ouais vas-y. Ouais. Vas Et en fait l'idée c'est que le fils du le fils du papa de la famille a une idée, il veut euh, il veut transformer la boucherie en boucherie. Alors le problème <laughs> c'est que la beuh... tu sais ce que ça veut dire la beuh, c'est ouais, ça ouais, ouais bien sûr. Je suis calme. Alors, voilà, donc la beuh, pour les autres je vais le mettre sur le je vais Alors, le mettre sur le chat. La bœuf ça veut dire weed en gros weed, voilà donc la be la boucherie ils veulent transformer beucherie. une boucherie juive en boucherie <laughs> faire faire de la weed ah j'adore j'adore et en fait wow. c'est en fait, c'est euh, n'importe quoi euh, c'est très très drôle c'est très cru euh, comme ouais. humour euh, <laughs> parce que t'as as de l'humour euh, bien sec sur, euh, sur euh, euh, la communauté juive, mais aussi t'as de l'humour sur, euh, euh, sur les dealers, tout ça, etc. Exactement. Et t'as quelques, quelques personnes qui sont très très connues, genre par exemple, bah, l'actrice la, qui joue. Euh, putain, comment elle s'appelle la, la vieille dans, euh, dans Call My Agent. Merde. Ah oui. Euh... Enfin, tu vois qui je parle Avec le chien. Oui, oui, oui bien, bien sûr. Oui, bah, oui. Elle, Jean, elle est... Jean Gabin, le chien, voilà, ouais, ouais. Jean j'adore ce Jean chien. Jean <laughs> euh, bah Du coup, elle est là aussi. Elle est en là aussi, et t'as... Et euh, merde, comment il s'appelle C'est quoi Je vais regarder vite fait. Euh, c'est comment... sur, sur Netflix maintenant Ouais, c'est sur Netflix. C'est sur okay. Netflix, et, euh, et franchement, c'est excellent. J'adore. Cool. Euh, putain, comment ça yeah, s'appelle Family Business. Mais ça a l'air sympa. Gérard Darmon. Voilà, il y a Gérard Darmon aussi, qui est un très grand acteur français. Ouais. Je l'adore, il est excellent. Et t'as... Euh... Ah, t'as Enrico Macias. Est-ce que tu connais Enrico Macias oh, Oui <laughs> Alors, Enrico Macias, c'est une légende en France. Hein. Euh... D'accord. C'est une légende et il joue son propre rôle. Oh, c'est marrant ça. Et il y a beaucoup de, de clichés et de stéréotypes sur Enrico Macias et il joue tous les stéréotypes. Donc, il, il aime se moquer de lui-même, tu vois. Donc, c'est euh... excellent. C'est excellent. Donc, voilà. Moi, moi, je recommande. Je l'ai bingé pendant une semaine et j'ai regardé les deux saisons d'un coup. Et oh, c est, c est ça vaut le peine. Ça vaut la peine. Et en tant que série américaine, qu qu'est-ce euh, qu que tu regardes maintenant Oh putain, euh, en tant que série américaine, ça c'est une bonne question. Merde. Enfin, série euh, anglaise, on peut dire. En anglais pas, fr pas francophone, ouais. Ouais, pas francophone. Bah tu sais quoi, on va regarder Netflix parce que je sais plus. Euh, <laughs> ma femme elle est en train de binger euh, Mr. Robot et ça c'est mmh. pas mal. Ouais, c'est pas, pas, pas mal du tout moi qu'est-ce que je regardais sinon récemment euh, tu sais j'avais tellement pas le temps en ce moment que je regarde euh, euh... je <laughs> m'endors en regardant Netflix <laughs> tu t'endors ouais bien sûr qu'est-ce que j'ai regardé en dernier euh, Queens Gambit ça j'ai bien ouais. aimé super euh, euh, en fait je binge en, en général je binge des trucs tu vois c'est euh, ouais moi aussi euh, c'est normal ça sort d'un coup je je regarde tout d'un coup et puis après ouais. Euh, euh, donc ouais euh... normal j'aime beaucoup euh... qu'est-ce que je regarde ah merde là tu me poses une bonne question parce que je sais même pas ce que je regarde personnellement <laughs> moi non plus euh, Black Mirror ouais, oh, ça, énorme ça c'est sympa j'adore ça c'est sympa j'aime ouais, ouais. j'aime beaucoup ça fait réfléchir et c'est un peu euh... ouais on peut dire ouais c'est sympa <laughs> ça fait beaucoup ça... Ça fait réfléchir. oui 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 oui, oui. Euh... après je regarde beaucoup de films en ce moment je regarde beaucoup de films français ouais euh ah, j'ai quelqu'un qui me demande est-ce que j'ai regardé Engrenage Non, j'ai pas eu l'occasion de regarder Engrenage encore. c'est quoi Engrenage, c'est une série policière française. D'accord. Je crois qu'elle est sur Amazon, il me semble, sur Amazon Prime. Attends, je vais je regarder. Rien, ça rien, Amazon Prime. Engrenage. Engrenage. Qu'est-ce que ça veut dire Engrenage Un engrenage, c'est euh, euh, un engrenage, c'est ce que tu as dans une machine. Un cog. Un engrenage. Ah, ok, voilà. Donc, euh, donc, ouais, euh, en anglais, ça s'appelle Spiral, ouais, c'est ça. Ok. Ou Spiral, I guess. Ouais. <laughs> We say Spiral here, sir. Excuse-moi, hein, pardon. Ouais, 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 donc t'as... Ah, je savais pas que t'avais euh, Audrey Fleurot dans la série. J'adore Audrey Fleurot. Oh, wow. Elle est excellente. J'ai bien aimé son pas. rôle dans Call My Agent, c'était euh, drôle. Ouais, ouais. La maman euh, la... qui... Euh, qui euh, J'ai adoré, franchement, c'était excellent. C'est super. Alors, tu dois être stripteaseuse, etc. Ah, d'accord. <laughs> <laughs> C'est ça. Ouais. Ah, putain. Euh, sinon... Je disais, je regarde beaucoup de films en ce moment. Surtout ouais. des vieux films français. Je, je donne euh, deux là euh, Là, je vais commencer deux autres classes. Mais euh, j'ai donné une classe de films et conversations récemment. Et on, et on regardait des films ensemble qui a sur Netflix euh, ou ouais, des trucs ouais. comme ça. Et franchement, la sélection de films français sur Netflix, elle est à vomir. C'est de la merde. C'est de la, de la merde. pure merde. Donc, ouais, ouais, bien sûr. Donc euh, là, là, je pense que je vais m'abonner à... Alors, s'abonner, pour les autres. S'abonner, ça veut dire to subscribe ou to... Ou to euh... Euh... Ouais, ouais, to subscribe, c'est ça. S'abonner. Ouais. Euh, et je, je vais peut-être m'abonner à un, un, un truc qui s'appelle Criterion. Hmm. Euh, et... et... Et là, je vais me régaler parce que j'aime beaucoup regarder des vieux films français de Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard, tout ça. Donc le, euh... La nouvelle vague, voilà. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. À voir là-dedans, ouais. Est-ce que tu as vu le film euh, La Haine Tu connais Oui. Moi, j'adore. C'est mon film préféré. Mathieu Kassovitz, j'adore. Ouais, moi aussi, je <laughs> suis <'ai> grand fan. <laughs> mm -hmm. Oui, il est énorme ce film. Ouais. Euh, je crois pas que c'est Mathieu Kassovitz qui ait fait, euh, qui ait dirigé ça, qui ait réalisé ça. Mais moi, je l'adore pour un truc. Il était le narrateur d'une un, série de documentaires français qui s'appelle Apocalypse. Je l'ai pas vu, mais j'en ai, ai entendu parler. Ah euh, ouais, c'est euh, excellent. C'est ouais. excellent, excellent. Et euh, j'ai vu ça quand j'étais au lycée. Non, et ça m'avait euh, époustouflé. Époustouflé. époustouflé wow. tu, connais, tu connais ce mot Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Le, époustouflé, pas euh, baffled. Baffled. Époustouflé. donc c'est plus fort que, que impressionné. Donc ça m'a oui. impressionné, c'est moins fort que. Ça époustouflé. Époustouflé. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc époustouflé, c'est vraiment tu baffles. C'est plus baffled. fort. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, c'était fantastique. Ils, ils ont fait des, des, des films d'archives de la première guerre mondiale, de la seconde guerre mondiale. Bien ils ont toi. fait un autre documentaire sur la montée d'Hitler, sur le sur le communisme avec Staline, tout ça. Voilà. et c'est que des documents d'archives qu'ils ont euh, qu'ils ont retravaillé, reconstitué. Je crois cool. même qu'ils si je me souviens bien, je crois qu'ils avaient même restauré la couleur de certains wow, de certains mais c'est il y a quelques années, donc je sais, ouais. je sais pas, peut-être je me trompe. On ah, voir. on me demande, sur Prime, il n'y a rien euh, Sur Prime, uh, yes. sur Prime, il n'y a rien non plus, malheureusement. <laughs> c'est vrai. Il ouais, n'y ouais, ouais. a rien. Ouais. Moi, j'utilise un site, euh, j'ai découvert un site récemment. Euh, j'ai découvert un site récemment, je vais te le donner aussi. Euh, cool. Euh, Matt, ça s'appelle Real Good. Euh, et c'est. Alors attends, je te, je te donne un, un lien. Real Good. Ouais, je te donne un lien en particulier. Tac et tac, voilà. Euh, donc pour les autres, je vais, je vais montrer ça sur l'écran vite fait. Voilà, donc c'est un, une plateforme qui s'appelle Real Good. Oh, la laine, voilà. Et euh, en fait, ça, ça prend tous les films qui sont disponibles sur les, toutes les plateformes, Netflix, etc. Euh, ouais, parfait. Et, et ça vous dit où vous pouvez les, où vous pouvez les prendre. Euh, genre par exemple. Euh, ah! Euh, port... Bootsouf, voilà, euh... c'est ça. Euh, Tous les films comme ça qui sont euh, euh, qui sont euh, disponibles sur plusieurs plateformes. Si tu dois, si tu peux les avoir gratuitement, si tu peux pas les avoir gratuitement, ce genre de truc. Donc c'est vraiment euh... wow. ouais, c'est super. J'ai découvert, j'ai découvert il y a une semaine et je me suis fait une liste immense pour mes autres classes. <laughs> ouais. C'est un vrai cadeau, ça. Ah c'est clair, c'est clair. Un prophète. Ouais, il y a plein de choses à voir ici. waouh Alors on, on m'a demandé. Enfin, oh, un autre commentaire. J'ai essayé de regarder Marseille sur Netflix avec deux pardieux, mais c'est pas grand-chose malheureusement. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. ouais. Euh, c'est dommage parce que je suis fan de deux pardieux d'habitude, mais j'ai entendu Monsieur. dire que c'était de la daube euh, complète. <laughs> Une autre expression, tiens euh, Tu connais ça C'est de la daube. Ouais. Ouais. Euh, c'est pas grossier. Hein, c'est de la daube. Euh, la daube, c'est un plat français. Euh, c'est un peu euh, stew ou quelque chose comme ça. La daube. Mais quand on dit c'est de la daube, ça veut dire it sucks. Voilà, ouais. voilà donc ça c'est bon à connaître aussi. Ouais, euh, ouais non, donc j'ai entendu que c'est de la daube malheureusement, mais euh, c'est pas très bon. Ouais, j'aurais aimé. Tu vois, si c'était un truc sur Marseille, j'aurais aimé un truc peut-être un peu plus, euh, un peu plus banlieue, un peu plus euh, de Exactement. rue, parce que voilà. Ouais, parce que Marseille, Marseille c'est très beau. Hein. Euh, mais as, tu as beaucoup de choses à explorer, comme par exemple euh, euh, le, le fait que tu aies quelque chose, une ambiance autour de, autour de l'Olympique de Marseille, l'équipe de foot ouais. euh, juste là, et puis aussi tu aurais, aurais pu faire quelque chose sur les quartiers nord de Marseille qui sont euh, euh, très défavorisés, qui sont très pauvres, euh, mais où il tu as aussi beaucoup de violence, tout ça, ça, ça m'aurait intéressé, tu vois. Moi aussi, moi je suis jamais allé. Franchement c'est beau Après ouais. après je recommande quand tu vas à Marseille Faut aller euh, Faut aller aux Calanque par exemple Les Calanques c'est un parc national Qui est juste à côté ouais. Absolument magnifique Si tu aimes marcher, si tu aimes faire de la randonnée C'est génial ouais. euh, Et après les Calanques Qu'est-ce que tu peux faire euh, tu, peux, tu as Aix-en-Provence Juste à côté ouais. Qui est très beau tu as la Ciota, euh, tu as, as beaucoup d'endroits qui sont très jolis. Tu n'es pas trop loin de Montpellier si tu veux aller à Montpellier après. Ouais. Non, franchement, c'est beau. C'est sympa. Ça vaut le détour. Oui, bien sûr. Ça vaut le détour. Moi, oh, j'ai hâte de voyager. Oh là là. Oh putain, j'en peux plus, moi, non plus. J'en peux plus J'en peux plus. <rire> <Ça> <rire> <m 'énerve. rire> oh, rigole, rigole, mais avec, euh, avec euh, les vaccins, j'avais plusieurs clients qui m'ont dit. Euh, ah, mais, euh, mais mais toi, tu es professeur, donc euh, peut-être tu peux tricher pour avoir les vaccins. Je dis non, 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 moi, je ne fais pas ça. Vas-y, fais-le, <laughs> pourquoi pas. Non, arrête, je, je vais finir sur les infos, comme l'autre nana qui, euh, qui avait fait ça avec. Euh, elle a dit non, mais je suis professeur et euh, en fait, elle enseigne le Soul Cycle, donc. Euh, ça, c'est différent. Non okay. <laughs> moi, t es, t es, t es un vrai professeur, toi Oui, mais je ne suis pas en personne, donc tu vois, c'est. Non, je pense que la. la... La, la la démarche euh, pour être qualifié il faut que tu sois soit professeur dans, dans une école dans oui. un lycée ou à l'université ouais, ouais bien sûr donc moi j'ai des gens qui me disent non mais tu devrais le faire j'ai euh, pas envie de me faire cancel, désolé non moi <laughs> non plus ça c'est chaud ouais fais gaffe <laughs> donc euh, ouais tu vois je me disais hm, ouais, ouais. peut-être peut-être pas peut-être <laughs> un... pas non c'est pas une bonne idée ça, ça vaut pas le coup en fait mm -mm. tu peux attendre comme moi mais j'ai entendu dire apparemment qu'ils vont euh, euh, Qu'on va pouvoir avoir les vaccins plus rapidement, que même il euh, y aurait des rumeurs comme quoi euh, Johnson et Johnson, tu pourrais avoir le vaccin pour tout le monde à partir d'avril. Bah on verra, ok. Je croise les doigts, mais euh... putain, j'aimerais. Hein. As, as we say in English, I'll believe it when I see it. Ouais. Uh... <laughs> je le croirai quand je le verrai. Voilà. Exactement. Mais bon. Ouais ouais ouais. Attend avec impatience. C'est clair, c'est clair. Ouais, putain. Ouais, ouais. Ah bordel, j'en ai marre. <laughs> J'en ai marre aussi. Tout le monde en a marre. J'en ai marre. Pour les autres, en avoir marre, ça c'est une marre. très bonne expression. Je vais le mettre ouais. sur l'écran aussi. J'en ai très marre. Utile. Ouais. J'en ai marre. Ça veut dire I'm over it. I'm over it. C'est ça. J'en peux plus. J'en ai marre. <laughs> ouais, ouais, ouais. Non, franchement, euh, j'ai, envie, j'ai envie de retourner, euh, j'ai envie de retourner en France. Ralbol, bol aussi. Ralbol. Ouais. 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 C'est. C'est une bonne expression ça. Euh, C'est cool parce que quand on, quand on pourra revenir, j'ai l'impression que les gens ils vont vraiment profiter, tu vois. Tu vas avoir vraiment une vague de, une vague de choses à faire, etc. C'est sûr. Euh, tu vois, par exemple, nous tout à l'heure, avec ma femme, ici à New York, ils ont rouvert les cinémas. Euh, et, et nous, on était... Euh, et nous, on était... Ah, je sais, je sais, putain. On, 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 a, on avait d'habitude le passe AMC, tu sais. Ouais, ouais. Euh, donc là, on s'est dit, putain, euh, on attend encore un peu. On... Et eh merde, allez, on va au cinéma, c'est pas grave. Donc oh on, voilà. a, on a réactivé notre passe AMC et, euh, et on va y aller certainement vendredi ou quelque chose, quelque chose wow. comme ça. Bon courage. Ouais. Mais on s'est dit, non, là, là, pour notre santé mentale, faut qu'on fasse quelque chose. Là, c'est pas possible. D'accord. <laughs> Netflix ne marche plus. Il faut que non. tu ailles euh, au cinéma. Ouais, en en, personne. J'en peux plus des daubes qu'il y a sur Netflix. Donc il faut que je vois <laughs> hein. Oh putain, ouais, c'est ça. Non mais c'est tu sais quoi? J'avais vu un film récemment euh, avec mon, mon cours, euh, mon cours de film et conversation. Je crois qu'en anglais ça s'appelle To Each Your Own. Euh, je connais pas. Euh, non mais je cherche même pas. C'est une dobe complète. <laughs> de la merde. Ah mais vraiment de la merde. Il s'agit de quoi? En fait, c'était une une. Alors l'histoire, c'est que tu avais une femme, euh, enfin deux femmes lesbiennes. D'accord. Et une femme lesbienne, une de ces deux femmes du couple, tombe amoureuse d'un homme d'accord donc euh, j'aime bien l'idée tu vois explorer la sexualité tout ça etc sauf que ils lui ont mis comme ils lui ont mis comme détail pour son personnage elle est lesbienne elle est juive il y a zéro profondeur à son personnage oh là là. Ouais, donc, nul. donc tu comprends déjà le problème donc allez vas-y les stéréotypes ouais, vas <laughs> les stéréotypes sur les juives et vas-y les stéréotypes sur les lesbiennes euh, et, et en plus, le film, il a zéro résolution parce que oh. euh, t'as as un peu une intrigue, un triangle, un, un peu un triangle amoureux parce que la, la meuf, elle est amoureuse d'un mec euh, qui, est, euh, qui est musulman en plus, qui est musulman en plus, <laughs> donc, donc encore un autre stéréotype, bim, là-dedans. Ah oh, c'est chiant. Euh, donc, un type qui est, elle est amoureuse d'un type qui est d'origine musulmane, mais euh, quand, la, quand la femme... Enfin, quand sa, sa fiancée euh, lesbienne qui, qui l'apprend, elle est euh, dévastée, etc. Le flip, voilà, elle ouais. flip, parce que en plus elle trompée. Euh, ouais, l'a trompé. Mais la fin du, enfin, ça, ça explore des thèmes intéressants, mais la fin du film, j'étais, j'étais en genre, mais, mais qu'est-ce qu'ils font Parce que la fin du film, ils se retrouvent tous les trois et euh, le mec, il n'a jamais rencontré la fiancée. Et pourtant c'est tout va bien, euh, on part tous ensemble sur un scooter. Oui, euh, c'est la fête, euh, Kumbaya. Euh, il s'est rien passé et j'étais là mais quoi <laughs> J'ai rien compris. Euh, euh, ah, je crois qu'il avait je crois qu'il avait 20% sur Rotten Tomatoes un truc comme ça. Oh là là. En fait, j'avais pas regardé avant et, et je, je me suis excusé à mes à mes, à mes clients, j'ai dit "Excusez-moi, j'avais excusez pas regardé le film, je pensais qu'il serait mieux que ça." <laughs> et du coup, on a on a craché sur le film toute la toute la soirée, c'était euh, à mourir de rire. Wow. On a eu une bonne discussion quand même pour pratiquer, mais je leur ai dit, putain, si j'avais su, je ne vous aurais pas recommandé ce film! Ça s'appelle quoi? To, to Eat Your Own, en anglais, own. et en français, c'est des goûts et des couleurs, je crois que ça s'appelle. Non, pass. Netflix original, ça veut tout dire. Ok, voilà, j'ai bien <laughs> capté. Non, pas pour moi. Ah, c'est ça. Alors, pour revenir sur le vaccin, j'ai une autre question. Est-ce que les vaccins oh. sont gratuits aux États-Unis? Oui. oui. Euh, heureusement! <laughs> D'habitude, on doit tout payer, mais ici au moins, test gratuit et ouais. euh, test pour les, euh, le, le test pour, euh, pour savoir si tu es infecté, oui, test Bien pour sûr. les anticorps, oui, et vaccin, oui, tout est gratuit. Ouais, c'est super donc, comme donc, système. Ouais, donc ça, donc ça pour une fois, putain. Merci Joe Biden. Ouais, c'est ça. Ah <laughs> <laughs> oh, bordel. Euh, et Curtis qui me dit, je suis sûr qu'il y aura une vague de touristes sur Paris. Alors ça, c'est clair, c'est ouais, clair. Boulot. Euh, je pense Beaux que... Du monde. Oh putain, ouais. Je, je veux même pas aller à Paris dès que ça, dès que ça va non. reprendre parce que ça va être l'enfer. Ouais. Ça va être, -être. l'enfer. Moi, je vais direct dans le sud, je vais voir ma famille à Bergerac. Même à New York, il y aura une vague de touristes, c'est oui. naturel. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, ouais. je vais peut-être essayer d'en profiter, je vais faire un truc sur Airbnb, je vais traduire pour les touristes français, un truc comme ça. Euh... Ciao. Et on a une expression, je vais me faire des couilles en or. <laughs> Qu'est-ce que ça veut dire Alors se faire des couilles en or, tu sais ce que ça veut dire Les couilles, hein Bah bien sûr. Voilà. Donc se faire des couilles en or, is to get loaded, or no more like, to make a lot of money. Se faire des couilles en or. Ok. okay. Alors. Hit the jackpot Ouais, un peu dans ce sens, dans mais ça c'est plus... Euh... Alors, to hit the jackpot, c'est euh, euh, avec, euh, avec l'intention de dire c'était euh, par chance d'accord ici okay. et si, et si tu peux avoir cette connotation mais ça peut être aussi parce que tu as travaillé voilà ok donc voilà le jackpot c'est c'est voilà mais, ouais. mais là je dis ah oh, j'ai euh, euh, je vais vendre euh, une peinture de da Vinci je vais me faire des couilles en or ah voilà je comprends maintenant ok ok voilà voilà donc, ouais. donc là je pense qu'il y a quelque chose pour se faire des couilles en or euh, dès que les, les touristes y reviennent donc je, je suis en train de réfléchir à deux trois projets là <laughs> Je, je le sens venir là, je le sens venir. <laughs> d'accord. C'est marrant. Et eh ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de touristes et, euh, et ça va être intéressant du de monde. voir. Ouais, 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 ouais. On verra. Mais eh oui. Mais après, après, c'est intéressant parce que c'est intéressant parce que t'as aussi, euh... comment dire, t'as aussi pas mal de choses. Tu vois, par exemple, euh... putain, j'ai perdu le fil de ma pensée, tu vois. <laughs> Ouais, j'allais dire, c'est intéressant parce que les, les gens, je pense qu'ils vont aller en masse dans des grandes villes. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai hâte de voir la dynamique, comment elle va changer, tout ça, parce que les, les, gens, les gens maintenant, ils sont plus confortables avec des trucs en ligne, ils sont ouais, plus confortables vrai. avec ça. Donc j'imagine que même avec le tourisme, peut-être qu'il y aura moins d'interactions et les gens vont être plus à l'aise avec des, euh, des choses en ligne aussi, ou euh, à, à prendre des trucs à l'avance, je sais pas. C'est bien possible, moi je ne sais pas. On verra. On verra, oui. On verra. On ça verra. va changer, de toute façon. Ça va changer. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, et les Jeux olympiques ou hmm. Ouf. Oh. Tu, tu penses oh. quoi toi Est-ce que ça va se passer Ça, c'est une bonne question, ça, putain. Bah, je ne je... sais même pas si ça va se passer. Euh, je pense que ja... ça... Pardon, vas-y. Ou... Il, semble... Il me semble que c'est au Japon ouais, oh, cette fois. Oui. 2022, non, je crois. Oui, je crois. Je sais plus. Moi, je suis nul en ouais, tout ce ouais. qui est olympique. Euh... Je suis une quiche en tout ce qui est olympique. Mais j'ai entendu. Parfait, parfait l'utilisation. Euh, je J'ai entendu dire qu'apparemment, le Japon aurait, euh, aurait dit que pour les Jeux Olympiques, il ne prendrait que les athlètes et les spectateurs japonais. C'est tout. Ça se comprend. Oui, oui. C'est possible Si c'est comme ça, ouais. Euh, bon, évidemment, il y a des personnes qui vont dire Ouais, mais non, je veux assister en personne. j'ai Bah, tu vas regarder la télé, comme tout le monde. Voilà. <laughs> ouais. Moi, je suis d'accord. Non, c est, c est, si c'est une manière d'avoir ça, pourquoi pas Ouais. Ça me dérange pas. Ouais, c'est facile. Hein. Plus facile à contrôler, en tout cas. Ben, bien sûr. Ah, bordel, cette merde bordel. de Covid-là. <laughs> ouais, c'est différent. Je n'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. <laughs> j'en ai ras-le-bol. J'en ai, ai plein le cul. Bien tu dit. connaissais, tu connaissais ça aussi Oui. Wow. Euh, Il y a plein d'expressions avec euh, le mot cul ou euh, les couilles en fait en français. Oui. Tu Vous en aimez as... les couilles. On aime les couilles. On aime le Et cul. Le cul. <rire> <rire> euh, on dirait qu'on est peut-être un petit peu même obsédé en France, j'ai l'impression. On peut le dire, oui. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, bah pas, avec la vidéo que j'ai viens de poster hier, tu vois, tu vois pareil, hein Oui, ça. Philippe Je suis enculé <laughs> C'est trop marrant, oh, ça. Oh putain, euh, non mais, euh, comme je disais dans la vidéo, t'as as tellement de conneries comme ça qu'on dit en français, euh, euh, qui sont complètement folles, qui sont France. complètement débiles, ouais, ouais. et moi j'adore, j'adore, ça, ça me fait rire. Euh, c'est l'humour euh, tu sais c'est l'humour un peu euh, un peu cru. crade un peu cru. Ouais. Tu connais ce mot crade? Non crade ça me dit. Ça Alors me dit rien, en crade fait. Euh, crade ça, ça veut dire dirty mais c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort. C'est de l'argot en français parce que tu as sale okay. tu as sale en salle. français qui veut dire dirty. Crade ouais. crade c'est l'équivalent en argot mais c'est plus fort. D'accord. Okay. Là, dans le contexte, c'est crade. crade, je pourrais dire. It's crass, it's vulgar. D'accord. Mais, mais en français, c'est ça a un impact. D'accord. Crade. Voilà, ouais. voilà. Super. Et ouais, ouais. Crade. Eh ben, je commence à je commence à plus avoir de de choses à dire là. Je commence à je commence à tourner en rond. Peut-être c'est parce que j'ai le euh, alors sleazy, gross. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu peux dire ça d'une personne, oh il est crade, he's gross, he's... Euh, ouais c'est un, un peu la même chose. Hmm. Ah Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si je comprends, alors si quelqu'un dit des choses un peu, comment dirais-je, mais pas vulgaire, mais euh... non, je sais pas, je sais pas. Euh, le problème, c'est que, que tu as plusieurs définitions en fait, du mot crade. Donc, ça dépend du contexte. Ça peut voilà. être quelque chose qui est sale ou crade. Ça peut être une personne qui est crade. Euh, okay. Physiquement ou, euh, euh, physiquement, ou la, sa personnalité est crade. D'accord. Euh, quand tu regardes quelque chose à la télé, tu te dis, c'est gross, Tu peux dire, c'est crade. crade. Okay. Un film est crade. Euh, c'est très large. Tu as beaucoup d'interprétations. Il faut que je réfléchisse. Okay. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Continue, Alors j'ai un autre commentaire, on verra. J'ai acheté deux billets pour un festival de musique en août. J'ai hâte de fêter. En revanche, oh. l'idée d'être dans un champ avec beaucoup de gens me stresse. Aïe, ouais, je comprends. Mais ça stresse. Bah écoute, après si t'es vacciné, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que ouais, euh, ça va prendre un petit moment avant que les gens so euh, les gens se sentent en sécurité, à mon avis. Exactement, exactement. Même avec le vaccin, c'est un truc, c'est un changement mental en fait qui qui doit se passer. C'est ça. ça c'est ça. Ouais. Ah putain. Putain, putain, ouais, on, on verra. On verra, exactement. C'est tout ce qu'on peut dire. <laughs> Quand est-ce que la bise revient en France parce Jamais. <rire> jamais. <rire> <rire> jamais. Désolé. ça <laughs> va jamais revenir. Ah putain. Non, mais, mais tu sais quoi, c'est intéressant parce que je sais pas. Moi, comme j'habite maintenant ici aux États-Unis et que je fais la bise à personne parce qu'ici, c'est ouais. pas le truc. Euh, J'en sais rien. Ici. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en France. Euh... Je sais pas, faudra que je demande à mes parents, tiens, faudra que je demande à mes parents et à mon frère ce si qu'ils pensent oui, de ça. C'est une bonne question. Hein. Euh, mais euh, ouais, euh, si, si la bise, elle se fait plus en France, euh, je sais pas, je pense que ça va prendre un petit, un petit moment. Ouais, mais ça fait partie de la culture française, c'est une partie intégrale, quoi. C'est clair. Ah non, mais je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression de. Depuis que je suis à la maison, même si je parle à des gens tous les jours dans le cadre de leçons, etc., mais mec, mais. Euh, mais euh, mes capacités sociales je suis euh... <laughs> c'est ça c'est ça non je suis nul à chaque fois à je sais chaque fois ah oh, putain mais c'est l'horreur c'est l'horreur je te fais un câlin je le fais pas ou... c'est ah, l'horreur des... des fois j'ai l'impression tu sais moi moi d'habitude je suis super extraverti mais là des fois quand je suis quand je parle avec d'autres personnes ou quoi je suis en mode ah, je sais pas quoi faire moi aussi <laughs> moi aussi c'est trop dur maintenant ouais ouais <laughs> tu sais help <laughs> Ah putain. J'ai besoin d'aide. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça, ça va être bizarre. J'ai l'impression que tu sais, on va avoir tous des, euh, euh, des choses à se réhabituer, euh, des tics euh, qu'on va devoir euh, euh, se débarrasser. On va devoir se débarrasser oui. de certains tics. Genre, j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire parce que c'était des... Euh... Euh, des, des gens qui, qui, dit, qui essayent de montrer quand les gens vont enlever les masques on va tous avoir des mauvaises habitudes avec la bouche <laughs> tu sais tu regardes ton téléphone es <laughs> comme ça, <laughs> ça. Voilà. et d'un coup on va devoir se réhabituer à, à ne sûr. pas avoir la bouche couverte ça va être très bizarre sourire avec tes yeux vas-y vas-y ah, j'en peux plus j'en peux plus oh, putain. moi d'habitude j'aime beaucoup sourire aux gens et parler aux gens donc ça c'est un, un gros truc que j'ai ça, ouais, j'ai hâte qu'on ait plus à porter de masque. Je suis le premier à porter un masque d'habitude. Bien sûr. Oh, mais putain, mais j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. En fait, on s'est bien plaint là aujourd'hui. Hein. Bien sûr. <laughs> c'est la, la seule seule chose qu'on peut faire maintenant. Ouais. Se Et en fait, t'es New-Yorkais maintenant, donc il faut se plaindre. Ça, ça voilà, c'est ça. De, de, de hey, I'm walking here. <laughs> Exactement. I'm walking here. <laughs> les New-Yorkais aiment se plaindre. Ben bah, rig rigole, mais les Français, je dis toujours que c'est des professionnels pour se plaindre. Ah bon? Ah, je trouve. Bah, attends, attends, excuse-moi. C'est ben quoi? Notre symbole culturel, c'est le coq, quand même. That's the rooster. C'est vrai, c'est vrai. Le, le coq, en français, il fait du bruit. Euh, il se plaint tout le temps. Donc, les français, ils râlent. Ils se plaignent. <laughs> ils font la grève tout le temps. des <laughs> strike strikes all the <laughs> time. Sûr. Euh, alors, je sais que c'est un stéréotype et, et j'adore parce que. Moi, j'adore dire que les Français râlent. Et quand je dis ça avec d'autres Français, ils disent Oh non, t'exagères. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, tu, tu propages un stéréotype. Et moi, je suis bien là. Non. Non. Bah, c'est vrai pourtant. Euh, je suis d'accord, non Ah, Curtis, il me dit Je suis d'accord aussi. Super. Ouais. Bah oui. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, voilà. Ouais. Non, ouais, donc, donc là, moi, je suis à la maison. Hein. À New York, les gens, ils se plaignent. Moi, c'est euh, la même chose. <laughs> j'adore me plaindre. Moi aussi. Non, moi aussi. <laughs> Ah ouais c'est sûr bon bah cool ah, c'était pas mal ça c'était pas mal comme euh, comme discussion Oui, ça fait plaisir ah le top comme d'hab bah écoute moi euh, moi de façon après ça je sais pas je vais peut-être manger un coup et puis après euh, si t'es dispo ce soir on peut se faire un warzone ou quelque chose comme ça allons-y même même si je suis une vraie quiche en ce moment mais c'est pas grave Pff, tu me connais moi aussi hein je <laughs> suis complètement nul arrête avec ce que t'as fait la dernière fois en plus oh là là non attendez de la chance. pour les autres de la chance. pour les autres genre il était, dans le, il était dans le goulag. Euh, il était dans le goulag. Et, euh, et genre, il fait. Et deux fois, il me l'a fait. Hein, deux fois d'affilée. Il salue l'autre. Il envoie un cocktail molotov. Bim. C'est fait. Tranquille. Et il l'a fait deux fois. Pas une fois. Ouais. Deux fois. J'avais de la chance. J'étais là. j'étais putain. C'était de chapeau. la chance, je te dit. Ouais, chapeau, ouais. chapeau. Bon, allez, c'est cool. C'est trop gentil. Bon, bah, je te laisse. Je vais, euh, vais terminer il le stream d'ici 5-10 minutes. Je voulais juste. Parler vite fait, juste avec les personnes qui sont là. Mais franchement, Matt, cool. excellent. Tu reviens quand tu veux. Merci. Et, euh, et tu reviens euh, participer, euh, faire la conversation tous les samedis si tu veux. C'est comme tu veux. Nickel, ça fait plaisir. Allez, cool. Ciao. Ciao, Matt. Alors. Wow, I changed my camera. Hello. Hello, everyone. Oh, it's kind of green, but that's okay. Alors, donc, on va, euh, on va faire quelque chose d'autre. Ah, je suis. Un... J'ai un autre commentaire. Salut, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et je me demandais si tu serais intéressé à l'idée de faire à peu près la même chose pour expliquer des English language pour francophones. J'y ai pensé, j'y ai pensé. Euh, t'as as pas mal de choses à faire là-dedans. Euh, pour l'instant, j'ai juste une chaîne parce que c'est beaucoup de travail, mais éventuellement, j'aimerais bien faire ça aussi en anglais parce que t'as beaucoup de trucs en anglais aussi. Oui. Ok. Alors, on a presque fait une heure. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais je voulais, aussi, euh, je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez participer aussi au stream, si vous voulez. Vous pouvez venir sur, euh, sur, ma, sur ma chaîne, sur mon stream. L'idée, c'est que cette, euh, ce truc que je fais chaque semaine, il est ouvert à tout le monde. Donc si vous avez envie de faire la conversation avec moi, vous pouvez venir participer vraiment il n'y a pas de problème moi j'ai envie de pouvoir vous donner quelque chose pour pratiquer j'ai envie de vous donner l'opportunité de venir parler avec un français parler avec un professeur de français euh, je veux pas me jeter des roses non plus hein. je ne suis, euh, suis pas euh, euh, la seule ressource mais c'est difficile des fois d'avoir une ressource en français et d'avoir des opportunités de pratiquer avec quelqu'un donc moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup partager ma culture. J'aime beaucoup passer du temps avec des gens. Donc c'est une manière pour moi un peu de, euh, de, de partager tout ça, d'avoir de, des moments sympas avec d'autres personnes. Donc si vous voulez venir faire la discussion comme Matt il a fait avec moi, et pas besoin d'être à son niveau. Hein, je sais que Matt, par exemple, Matt il a un niveau, même s'il n'aime pas le dire, euh, il a un niveau très élevé. Vous pouvez être de n'importe quel niveau. Même si vous êtes débutant, moi je m'en fous. Je, je suis ravi de vous aider. Je peux aussi avoir le texte, euh, prendre des notes avec vous et, euh, euh, et vous montrer ce que je dis en même temps. Donc il n'y a pas besoin d'être super, super avancé. N'hésitez pas à me contacter. Alors, ah, merci. Merci Constance. En tout cas, j'aime beaucoup le rythme et l'ambiance de tes vidéos. Ça me fait plaisir, c'est gentil. J'essaie d'être euh, un petit peu différent parce que... Les, euh, les autres professeurs qui sont euh, tu sais classiques nian nian euh... alors nian nian oh putain ça c'est bon ça aussi nian nian c'est un son qu'on fait en français pour dire c'est un, un son euh, qu'on fait en français mais euh, ouais j'aime pas moi être un professeur nian nian euh, donc pour moi c'est important, de... important de faire un truc intéressant interactif euh, plus plus jeune, comme, euh, comme ça pourrait être intéressant pour les milléniaux les Gen Z, etc. Euh, donc voilà, moi c'est. moi C'est euh, l'envie que j'ai, c'est de, de, de cibler ça. Voilà, que ce soit, que ce soit intéressant et pas. Euh... Bon, alors aujourd'hui on va apprendre le subjonctif. Euh... Eh putain, non, ça, 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 ça je le fais toute la semaine avec mes cours, j'ai pas envie de le faire euh, sur le stream. <laughs> Uh, ouais, bah, je te tiendrai au courant, <laughs> Constance. Je, je l'annoncerai sur la chaîne si je fais ça en français aussi. Mais c'est un des projets. C'est sur, sur le fond de ma pensée depuis, euh, depuis quelque temps. Ok. Alright, so to, to summarize that in English very quick. Basically, if you want to participate on the stream, uh, if you want to participate on the stream, really don't feel... don't feel bad about your level okay i'm i want to be able to do that with anyone uh, if you're a beginner if you're advanced like matt who cares i can adapt i do that all the time that's my job literally uh, so i know how to how to handle people of all levels um, and if you want to practice conversation with me go contact me directly either uh, through the comments on youtube or you could also send me a message directly on my Instagram page which is in the description of the of the stream or any video that that I put on lately but yeah I'm happy to help you all I want to basically give you a platform for you to practice for free uh I'm I'm really not expecting to make any money on this and it's not my goal because I really want to just provide you with something interesting uh, a no judgment zone um and and it makes me happy to share it and it makes me happy to interact with y'all uh, that's why i'm doing this job because not only i get paid for it and also i like sharing my culture so there that's a that's a great opportunity for me to to give back a little bit to to uh you know uh, to help people discover my culture a little bit more discover my background uh it makes me happy makes me happy to share all right any other question any other question d'autres choses que je peux faire pour vous avant de partir ça va pas d'autres idées bon eh ben on va voir alors j'espère vous voir très bientôt et franchement n'hésitez pas à me contacter moi je je, je veux pas qu'il y ait de barrières à cause de youtube ou quoi euh, ça me ça me ça me gonfle d'avoir cette idée de euh, non mais euh, tu peux pas contacter la personne moi je, moi je suis là pour me faire des amis aussi je suis là pour me faire des copains euh, donc vraiment ça me fait plaisir All right. Well, since uh, since that's all, I guess we can close it here. So, see you very soon then.